Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans votre émission Entre les lignes. Comme vous le savez, on va analyser une question qui vous permettra donc de comprendre, de vous projeter dans l'avenir, voir dans quelle mesure la RDC est en train de se positionner sur plusieurs fronts, notamment le front des compétences. On parle de Skills Africa, les compétences en Afrique ou les compétences d'Afrique. Skills Africa, c'est un forum qui s'organise un peu chaque 2-3 ans, par chaque année justement, à travers la République et même à l'étranger. On va donc recevoir la directrice générale et même la fondatrice, Madame Loris Félicia Kasongo. Elle est donc CEO de l'Elite Agency SARL et initiatrice de Skills for Africa. Madame, bienvenue ici à Congobuzz. Merci, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je vais bien, le plaisir est pour moi, le plaisir est partagé. Merci de m'avoir. On vous en prie. Alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Loris Kasongo, je suis directeur général de l'Elite Agency, qui est un cabinet de placement. Nous sommes spécialisés aussi dans l'externalisation, la paye. Extension de la paie internationale et de la paie locale. Nous sommes basés à Londres et ici à Kinshasa, en RDC. En RDC. Oui. Vraiment. D'où est venue l'idée de créer ce forum de Skills for Africa? En fait, l'idée est venue tout justement en tant que directeur général de ce cabinet de placement. Pendant plusieurs années, j'ai débuté à cette problématique de trouver ou bien de recruter des talents localement pour certains clients dans certains secteurs, comme par exemple la technologie, le digital, disons. Et donc, on avait vraiment du mal à remplir certains postes pour nos clients. Donc, on a eu à recourir un peu plus souvent à la diaspora hautement qualifiée. Et il s'est fait que cette situation, le fait que cette situation ait eu à recourir, on a eu à faire face à cette problématique régulièrement, je me suis donné cette idée de carrément initier un forum de recrutement de la diaspora hautement qualifiée afin de revenir au pays pour contribuer à son développement par le biais de l'emploi ou bien de l'entrepreneuriat. Donc, en gros, tout est vraiment, tout est sorti, tout est everything. Quelque chose. En fait, cette idée, cette initiative est sortie de mon expérience en tant que directeur général d'un cabinet de placement. Donc voilà. Et donc, je me suis dit que ça serait non seulement il y a quand même un flux de la diaspora hautement qualifiée et de la diaspora généralement, particulièrement pas qualifiée, mais en général la diaspora qui aimerait bien revenir au pays, mais il se fait que cet encadrement, afin de faciliter leur rapatriation ici au pays, n'existait tout simplement pas. Et aussi, de l'autre côté, le fait qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui étaient butées à cette. Qui faisaient face à cette pénurie de compétences et qui recouraient souvent aux expatriés professionnels non congolais pour leurs activités, hein, pour leurs opérations. Je me suis dit que ça serait vraiment une initiative qui pourrait aider les clients que l'on a. À recruter cette compétence dont ils ont besoin au sein de la diaspora. Mais pourquoi pas faire carrément un recrutement massif? Et donc, nous avons procédé à carrément un travail en amont où notre première édition l'année passée consistait à parler avec les entreprises locales. Ayant le désir d'investir dans leur capital humain. On avait besoin de savoir en fait quelle était la problématique qui faisait face à trouver ou bien recruter cette compétence locale. Pourquoi ils n'arrivaient pas à trouver? Quelle était la problématique? Parce que je me dis que dans les forums, c'est bien beau, c'est vraiment des belles initiatives, mais on voulait carrément faire un forum, organiser un forum qui répondait aux besoins réels des entreprises en termes de compétences. Donc on a fait tout ce travail. De savoir, d'échanger,
avec les entreprises afin de savoir quel était le besoin réel en termes de compétences. Donc, on a eu à échanger avec, par exemple, le ministère du Travail, l'ONEM, qui est l'Office national de l'emploi. On a eu à échanger, il y avait aussi M. Bossembe qui était parmi nous pendant notre édition Kinshasa, Forum Skills for Africa Kinshasa. Mm-hmm. On avait aussi M. Mugisha, Dominique Mugisha. Mm-hmm. On avait parmi nous aussi la DGA de Vodacom, Mme Pamela Ilunga, où on s'est assis pour savoir échanger quels sont les besoins réels des entreprises et surtout de la RDC en termes de compétences techniques essentielles. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, ça serait vraiment une bonne initiative de carrément créer un forum annuel de recrutement des talents formés à l'étranger. Comment une dame aussi charmante a pu se retrouver en Afrique? Vous quittez votre domicile de tous les jours, vous vous retrouvez ici sous cette chaleur du climat tropical. Comment vous en sortez personnellement? C'est vrai que c'est challenging, c'est un défi. Mm. Mais j'aimerais souligner le fait que déjà je suis patriotique, j'aime mon pays, je suis congolaise. Et j'ai pu identifier une opportunité. Mais cette opportunité, c'est aussi le patriotisme qui m'a poussée à revenir ici. Ça fait pas longtemps que je suis rentrée, ça fait peut-être 3 mois que je suis là, en RDC. Vraiment. Et c'est vrai que c'est un défi. Mais c'est le patriotisme et l'amour de ce pays et les opportunités que je trouve dans ce pays qui m'ont poussée à prendre cette prochaine étape à revenir au pays. Et aussi le fait que j'aimerais voir quand même la jeunesse. J'ai des jeunes, j'ai ma fille qui est jeune et elle est congolaise de père et de mère, originaire du Congo. Okay. Et je me dis que c'est important que nous puissions emmener notre pierre de contribution au Congo. Pas seulement en restant en Occident. L'Occident, c'est bien beau, mais il faut venir sur le terrain, se battre afin que nous puissions comme ça laisser un héritage à nos enfants, préparer un environnement qui sera propice aux jeunes, parce que nous ne sommes pas éternels. Donc je pense à mes enfants, je pense à la génération future, je pense aux jeunes que je vois tout autour, et je me dis quelle est la contribution que je peux rapporter afin de, comme ça, les équiper, comme ça, les aider, les accompagner. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais sortir de ma zone de confort, je vais repartir au pays, et je vais comme ça aider mon pays, contribuer. Parce que ça n'aurait pas de sens que je puisse comme ça lancer un forum de recrutement de la diaspora hautement qualifiée, de revenir les encourager, les recruter, les identifier, venir au pays, alors que je reste moi-même en Occident, sans pour autant montrer l'exemple. J'ai emmené mon fils, c'est vrai, il a 9 ans, c'est défiant, mais il fallait le faire pour montrer l'exemple. Donc voilà. Vraiment. Mais au-delà de tout ça, quelles sont les missions de ce forum que vous créez? Que vous avez créé? En fait, notre mission, c'est déjà de recruter, d'identifier, d'encourager la diaspora hautement qualifiée, de revenir au pays afin de contribuer à son développement par le biais de l'emploi ou le biais de l'entrepreneuriat. Et aussi, nous luttons contre la lutte des cerveaux. Donc, disons, notre mission principale, c'est la lutte contre la fuite des cerveaux. Excusez-moi. Notre mission principale, c'est la lutte contre la fuite des cerveaux en RDC. Mmh. Mais on le fait comment? On le fait au travers du rapatriement des talents hautement qualifiés, de la diaspora hautement qualifiée. Parce que c'est vrai, la diaspora quand même est un produit qu'on n'exploite pas assez. La diaspora regorge des compétences essentielles, des compétences techniques essentielles dont la RDC a besoin. Alors comment est-ce que c'est vrai? On entend beaucoup les gens dire ben, la diaspora doit revenir au pays, mais elles reviennent comment? C'est bien beau de le dire, mais il faut bien sûr mettre un mécanisme en place afin de faciliter leur rapatriation. Donc notre lutte de cerveau, notre lutte contre la fuite des cerveaux, c'est au travers du recrutement de la diaspora hautement qualifiée, l'identification de la diaspora hautement qualifiée et l'encouragement de la diaspora hautement qualifiée afin qu'ils reviennent. Et l'autre aspect de notre mission, c'est que nous luttons sur la rétention des talents locaux, au travers aussi de l'accompagnement financier pour les entrepreneurs et aussi l'insertion
professionnelle au sein des entreprises sur les jeunes, pour les jeunes diplômés sortant fraîchement de l'université, où on est mis en contact avec les DRH qui veulent investir dans leur capital humain, qui veulent recruter des compétences techniques essentielles, des compétences techniques essentielles pour leurs différents postes. Donc c'est là où notre mission se... Se base, oui. Tout à fait. Alors, la fuite des cerveaux, ces cerveaux-là, vous avez dit, vous organisez un recrutement, vous placez les personnes compétentes. Est-ce que vous le faites également pour les locaux? Est-ce que vous le faites également pour les locaux? Oui, les locaux, déjà, comme j'ai dit, moi, je suis de Londres. Ça fait 24 ans que je suis en Angleterre. Mais notre édition, c'est notre énième édition, ce qui soit Africa. Okay. Et notre première édition, étant donné que je suis de la RDC, le patriotisme m'a poussé de faire ma première édition ici. Donc l'année passée, on avait eu un panel des jeunes, les jeunes entrepreneurs. On avait des jeunes entrepreneurs. On avait aussi un employé qui travaillait. C'était un comptable de formation qui travaillait dans une banque. Et on avait besoin de savoir qu'est-ce qui fait que leurs compétences, qu'ils n'arrivent pas à comme ça percer dans leur carrière. Quels sont en tant que entrepreneurs, quels étaient les défis auxquels ils faisaient face en termes de compétences. Donc, c'était important que l'on sache d'abord. Parce que moi, je pense et j'estime qu'il est essentiel de comprendre le besoin réel par les parties prenantes. Donc, les parties prenantes doivent vous dire quel est le problème, quelle est la problématique auxquelles ils font face tous les jours, pourquoi, comment et que faire. Donc, ça, c'était notre panel. Parce que souvent aussi dans les panels, il faut qu'on se le dise, souvent on entend plus les décideurs, mais pas ceux qui ont des problèmes, disons par exemple les jeunes. On entend plus ce que les décideurs veulent faire, mais il faut qu'on entende aussi les jeunes. C'est quoi le problème des jeunes? Donc les locaux, on leur a donné cette plateforme, ils se sont exprimés, et parmi elles, il y avait aussi une jeune entrepreneure qui en fait recycle, ce qu'elle fait, elle recycle les plastiques et en fait des balais. D'accord. Je lui ai même proposé de ramener une cinquantaine de balais afin de promouvoir en fait son produit et qu'on puisse faire une vente aux enchères. Je me rappelle même Christian Bossembe, il en a acheté je pense une vingtaine. Donc c'est ma façon à moi de retenir les talents locaux, de les encourager dans leurs activités, quoi, disons. Tout à fait. Alors, la diaspora joue un rôle certainement capital pour l'éclosion de la République démocratique du Congo. Au pays, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui circulent à travers le monde. Le Congo, c'est un pays où il y a la corruption. Pour investir, il faut avoir certaines autorités avec soi. Les conditions légales ne sont pas réunies. Il y a des tracasseries, il y a tout ça. Est-ce que vous avez remarqué ça sur le terrain? Quand vous êtes venu investir ici au Congo, en lançant votre forum, est-ce que vous avez remarqué que le Congolais, le contexte ne vous permet vraiment pas d'émerger comme il se doit? Bon, déjà, moi, je suis quand même un cas à part entière. C'est que moi, souvent, quand on dit ça, moi, je ne vois pas les problèmes. Moi, ma philosophie, c'est que je regarde quelles sont les solutions aux problèmes. Moi, je focalise plus sur la solution au problème qu'au problème en soi. Et ce que j'ai remarqué, effectivement, quand tu échanges avec les gens, même la diaspora, quand tu leur dis qu'il faut rentrer, ils vous font sortir ce problème-là, cette problématique. Mais moi, je dis que l'homme a été créé pour trouver des solutions au problème. Quelles sont les solutions que tu apportes? Même ceux-là qui disent, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi, déjà, à ton niveau? Ok, donc même, c'est vrai que c'est pas facile, je suis là, c'est vrai que c'est difficile. Laisser sa zone de confort, l'infrastructure, ça fait quand même 24 ans que je suis en Angleterre, donc j'ai été formatée d'une certaine manière, respecter le temps, respecter sa parole, voilà, faire les choses d'une manière structurée. Mais ici, c'est vrai que on ne l'a tout simplement pas, on fait quoi?
On laisse tomber? Non. C'est vrai, je suis butée à cette circonstance aussi. C'est vrai que ce n'est pas facile. La RDC, les infrastructures ne rendent pas les choses faciles. Néanmoins, je me dis qu'il y a bien des étrangers qui sont là et qui le font. Mmh. Et moi qui suis congolaise, pourquoi pas? Mais maintenant, je suis en train de voir quelles sont les solutions que je peux trouver, comment est-ce que je peux contourner cela. Ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, ben, je laisse ça à Dieu. À un moment opportun, ben, ça va déboucher, ça va ouvrir. Mais il faut se faire violence. Quand on est en RDC, quand on revient, moi je pense que les tracasseries et qu'on sort, c'est vrai qu'il y en a. Mmh. Oui. Mais il faut toujours, ici je pense que c'est vraiment un réseautage qu'il faut se créer. Un réseautage qu'il faut se créer. Ici, c'est encore comme ça. Et c'est ces réseautages-là qui vont vous orienter pour avoir moins de tracasseries. Parce que par moment, les tracasseries, ça ne vient même pas d'en haut. Ça vient tout simplement des gens que vous voyez en bas qui vous tracassent. Alors qu'on a déjà mis en place un mécanisme pour que les tracasseries ne soient pas là. Tout à fait. Donc c'est ça en fait. Tout à fait. Alors l'édition prochaine, l'édition 2024, se tiendra à Kolwezi. Pourquoi Kolwezi? Bon, comme j'ai dit, Skills for Africa, c'est un forum annuel et en fonction des provinces, c'est là où nous allons. Donc nous étions dans la province capitale Kinshasa. Mmh. Et nous avons ciblé le Kolwezi parce qu'il regorge pas mal d'industries, il regorge pas mal d'entreprises minières. Mmh. Et il faut qu'on se le dise, le secteur minier a un besoin aigu des compétences techniques essentielles. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ira à Kolwezi. En fonction de son besoin. Et il faut qu'on se le dise, hein, que le Z boom, il y a vraiment un boom quand même. Mmh. J'étais partie, je suis restée 7, 10 jours, je pense, 10 jours là-bas. Et j'ai pu voir combien est-ce que ça, que le Z attire pas mal d'investisseurs. Et je pense qu'essentiellement, il fallait que l'on puisse accorder aussi la chance à la diaspora hautement qualifiée de venir à Kolwezi au travers de notre forum et aussi présenter les talents locaux parce que ce sont les étudiants, les détenteurs de diplômes universitaires qui postulent. On a pas mal de candidats qui nous ont exprimé leur désir de participer au forum. Et donc, sur base, en fonction de ces opportunités, on s'est dit, ben, allons à Kolwezi. Et puis demain, ça sera au Kassai, le grand Kassai. Et ensuite, pourquoi pas, les différentes provinces. Vous comptez faire toute la République, toutes les provinces? Comme j'ai dit, c'est en fonction du besoin. Mais le grand forum, c'est à Londres. À Londres. À Londres. En fait, là, nous sommes vraiment en train de faire un travail avec les entreprises. Les entreprises, pour leur dire, vous devez investir dans votre capital humain. Et si, parce que les entreprises ont tendance à recourir aux expatriés professionnels non congolais. Sous prétexte que ben, c'est un investissement direct étranger ou bien sous prétexte que c'est une aide extérieure. Donc, ils ont tendance à recourir à cette main-d'œuvre expatriée, professionnelle non congolaise, en compétences essentielles techniques. Mais nous leur disons qu'il y a bien des Congolais qui détiennent ces compétences. Donc, on veut qu'ils puissent, le grand forum en soi, on va atterrir à Londres en mai, du 30 mai. L'année prochaine. Yeah, c'est l'année prochaine, 2025. Okay. Où on aura les entreprises basées ici, en RDC, qui viendront recruter à Londres. Voilà. La main-d'œuvre congolaise qui se trouve à l'étranger. À l'étranger, oui. D'accord. Alors, parlons de ce forum. Restons sous le forum. C'est quoi les activités qui se tiennent pendant les forums? On a prévu le recrutement. On a prévu aussi cette table ronde autour desquelles on va débattre sur les compétences recherchées afin de transformer le potentiel de la RDC en richesse. On aura aussi un réseautage à la fin et on aura une interaction avec la diaspora virtuellement. Parce que j'aimerais rappeler que je fais partie de COSIPRO, qui est une structure Congolese Circle of Professionals,
qui est une structure regroupant les professionnels congolais de la Grande-Bretagne. Oui, donc on qui vous soutiennent également. Oui, bien sûr, parce que étant donné que je fasse partie d'eux. Alors, c'est quoi les conditions de participation au forum? Bon, il n'y en a pas grand. Il suffit d'être détenteur d'un diplôme universitaire. Il faut être congolais. Okay. Et détenteur de la carte ONEM, hein, demandeur d'emploi ONEM, c'est les trois conditions principales. Mmh. Mais pour les entreprises, qu'est-ce qu'il faut pour En fait, les entreprises, elles n'ont pas vraiment de... Les conditions, c'est juste être une entreprise qui veut investir dans son capital humain. Mmh. Et étant donné que nous sommes dans, dans le secteur minier, ben, ça sera plus les entreprises qui sont basées au Katanga. Katanga, oui. Tout à fait. Mais vous savez qu'au Congo, il y a beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le secteur aussi informel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par l'État. Vous n'avez pas pensé à ceux-là aussi? Ça sera un grand travail. Et on commence par où déjà? Donc ça sera vraiment difficile. C'est pour ça que, en fait, comme j'ai dit au préalable, nous voulons créer un écosystème des parties prenantes. Ça veut dire que le gouvernement devrait s'impliquer. Les parties, les privés devraient s'impliquer et aussi le public, les institutions privées, les institutions publiques et puis le gouvernement devrait s'impliquer. Parce que tout justement, les informels, on ne sait pas, on commence par où, on les trouve où. Donc c'est toute cette infrastructure qui va demander beaucoup de travail et honnêtement parlant, j'en ai pas les moyens. Vous n'avez pas des moyens, mais est-ce que vous êtes soutenu par l'État congolais? Pas en tant que tel, c'est vrai que le FOGEC, par exemple, qui fait partie de nos sponsors, et il nous avait sponsorisé l'année passée, et monsieur le DG Laurent Mouzemba fera partie aussi de l'un de nos panélistes en entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, le panel entrepreneurial, il fera partie d'eux, des intervenants. Lui, il nous a quand même accompagnés. Bon, le gouvernement en tant que tel, pas vraiment. Pas vraiment. Mais depuis que vous avez commencé, depuis que le forum est créé, ça fait 4 ans, c'est ça? Ça va faire 3 ans, disons, oui. Ça fait faire 3 ans. Combien de personnes avez-vous déjà placées dans les entreprises? En fait, comme je le dis, moi déjà, au préalable, initialement, je suis dans le placement. Donc ça veut dire que je place ci et là, mais c'était plus l'Afrique, j'ai placé pas mal de contractants dans différents projets en Afrique. En Afrique, pas simplement à RDC. Non, pas à la RDC. Okay. Donc mais le forum, en fait, comme j'ai dit, le grand forum de recrutement sera à Londres, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine. Mais on ne pouvait pas faire le forum et placer sans pour autant connaître le besoin réel. Le besoin réel. Des compétences techniques essentielles auxquelles fait face la RDC. Donc ça, on a d'abord fait un travail où les entreprises nous connaissent, les entreprises nous ont parlé de leurs besoins réels et comme ça maintenant on va formater le recrutement qui va se faire. Donc jusque là on a plus, c'est plus des échanges, c'est plus des solutions, c'est plus au fait le mécanisme qui est mis en place pour faciliter tout justement le placement des agents. Des agents. Mmh. Alors, combien de jeunes, restons sur le forum de Colosi, qui aura lieu en octobre, hein, c'est ça? Octobre. En novembre. Novembre 15 ou 16 novembre. 15 ou 16 novembre. Alors, dites-nous, vous attendez combien de jeunes au cours de ce forum? Les jeunes, on a entre 300 et 350 jeunes qu'on attend, 50 entreprises qu'on cible. Mmh. Et bon, on a pas mal de répondants au travers de notre site. Les jeunes s'inscrivent, les gens nous envoient des messages et voilà. Il y a beaucoup de mining, hein, beaucoup d'entreprises chinoises aussi sur place à Colosi. Vous avez pensé aussi à eux? Il y a les entreprises chinoises. Les mining dans les carrés miniers. Oui. Vous avez pensé aussi aux entreprises chinoises de mining? Bon, c'est des Chinois qui... en termes de, dans les mines, c'est ceux qui prédominent en termes d'investisseurs, ce sont les Chinois. Ce sont les Chinois. Oui. Mmh. Donc, éventuellement. Mais maintenant, les DRH avec qui on échange, ce n'est pas les Chinois. Donc, des ce sont les Congolais. Donc, voilà. Mais comment vous évaluez votre réussite? Sur base de quoi vous évaluez que ce forum a réussi ou pas, ou vous n'avez pas atteint les résultats attendus?
Non, Sur en base de quoi? fait, c'est plus sur base des feedbacks. Feedback en français, c'est de feedback. C'est en fait feedback que l'on reçoit de la part des entreprises avec lesquelles on échange. Déjà même avant, après, par exemple, le NEM, après notre après la première édition qu'on a eue, on a eu un très bon feedback de leur part. Et ils nous ont dit que ça serait pas mal de aussi digitaliser les demandeurs d'emploi de la diaspora. Donc, ce qui fait que c'était déjà une résultante de notre forum, parce que je leur ai dit, ben, écoutez, la diaspora est là. Qu'en faisons confiance. Donc, qu'est-ce que vous en faites, en fait, disons? Qu'en faites-vous? Qu'en faites-vous, voilà. Donc, je disais, bon, la diaspora est là, qu'en faites-vous? Et donc, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Donc, ceux qui ont dit, ce serait pas mal de digitaliser aussi et d'incorporer la diaspora demandeurs d'emploi dans leur base de données. Donc, ça fait, c'est ce que nous voulons. Comment nous mesurons notre succès, c'est sur base aussi des feedbacks qu'on reçoit de nos partenaires. Est-ce que vous êtes en train de grandir quand vous analysez les chiffres, les feedbacks? Est-ce que Six Skills for Africa grandit ou bien vous stagnez ou bien vous avez encore des... C'est l'élite qui grandit. Skills for Africa, c'est comme j'ai dit, c'est un produit de l'élite. Donc, Skills for Africa, ce n'est qu'un forum annuel. Donc, savoir en ce qui concerne forum, savoir si on grandit, ça sera pas maintenant qu'on le saura. Mais néanmoins, le répondant qu'on a des entreprises quand tu les entends parler et quand ils veulent se souscrire, déjà, ça c'est un indicateur fort. Que bah oui, c'est un besoin qui est là, on s'inscrit à votre forum pour recruter. Donc ça déjà c'est un indicateur fort, mais c'est l'élite qui grandit en fait. Mais d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, que compte devenir ce qu'il soit africain? Bon, on aimerait déjà être en mesure de former la jeunesse, de voir qu'on a quand même des jeunes qui sont compétents, de voir qu'on a des jeunes qui sont embauchés, de voir qu'il y a quand même une réduction de chômage au sein de la RDC, de voir qu'on a des jeunes qui comme ça peuvent répondre à la demande du marché d'emploi. Parce que il faut qu'on se le dise, la plupart des diplômés ne répondent tout simplement pas à la demande du marché d'emploi. Pourquoi? Ben, parce que notre programme national d'éducation est obsolète, il date de depuis 1960. Donc, il ne répond pas assez aux défis actuels auxquels on fait face dans un monde qui devient de plus en plus digitalisé, sophistiqué et numérique, oui, digitalisé, sophistiqué et interconnecté. Donc, ce qui fait que notre programme est carrément obsolète. Donc, nos Même universitaires. nos ingénieurs ne Non. sont pas à point. Et exactement. C'est pour ça que les entreprises privées recourent la plupart du temps aux expatriés professionnels non congolais en disant, sous prétexte qu'il y a un manque des compétences locales. Parce que notre programme national est carrément obsolète. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous, quand Il même? faut le revoir, bien sûr. Ça, c'est un must et c'est une obligation morale de la part de nos universités et de notre gouvernement. Ils doivent revoir notre programme national. Il doit être revisité. Il doit être adapté aux besoins actuels de la demande du marché, à cette demande-là. Ils doivent la revoir. Ils doivent l'adapter. Mais il y a certaines opinions qui disent que les produits locaux, quand ils sont à l'étranger, ils se débrouillent bien. Si on sait par exemple les médecins, les avocats, ou peut-être quand ils sont à l'étranger, ils se débrouillent très bien. Est-ce que vous avez entendu parler de C'est une ça? statistique? Ou bien c'est Bon, juste des opinions? on n'entend pas des opinions Ben ouais, c'est quand c'est. isolées. Bon, quand c'est des opinions, là, moi, je ne me fie pas aux opinions. Moi, je me fie aux Aux statistiques, aux statistiques. recherches scientifiques et qui sont écrites. Parce qu'on a tous des opinions. On a tous des opinions. Mais quand on regarde à la base, je ne dis pas, en fait, je dis que localement, on a des talents.
C'est vrai. Là, je ne peux pas cracher parce que moi, là, même Skills, j'ai mis en place Skills l'année passée, c'était avec des talents locaux, ce n'était pas des étrangers, de la diaspora. Oui. Aujourd'hui, j'ai une équipe superbe aussi où j'ai Bijou avec moi, Bijou Nsumbo avec moi. Ah oui. Un expert en com. En com, oui, et qui m'a beaucoup aidé aussi avant de venir ici. Donc, ce sont des talents locaux. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça, ce sont. On a des exceptions, mais ces exceptions. Ils doivent être retenus parce que beaucoup de cerveaux sont en train de partir, sont en train de sortir. Mais maintenant, le peu qu'on a, il faut les retenir. Et ceux-là qu'il n'y a pas, il faut les créer au travers de notre programme national d'éducation qui doit être revu, révisité, carrément revu. Donc, voilà. Vous êtes dans un monde anglophone. C'est quoi la différence entre le monde anglophone en termes de formation des compétences et le monde francophone? Y a-t-il... Bon, tout, hein. Je pense que les anglophones sont pragmatiques. En termes de formation, je pense que les anglophones, ils sont plus dans la spécialisation. Donc, eux, ils vont, comme j'ai dit, déjà, initialement, ils sont pragmatiques. On fait ce qu'il faut. Donc, ceux qui viennent à côté, c'est pas vraiment... On va peut-être s'en occuper après, mais c'est vraiment un peu ils ne s'attardent pas à cela. Ils sont plus dans l'essentiel et dans ce qui fait que les choses avancent, disons. En termes maintenant de formation, ils sont pragmatiques, ils sont dans la spécialisation. Maintenant, le monde francophone, c'est trop bureaucrate, trop long, trop administratif et par moments pour rien. Quand tu regardes déjà en Angleterre, comme je viens de là, déjà pour être licencié, tu fais 3 ans d'année universitaire. Ici, tu en fais 5. Mais quand tu compares celui qui a fait 3 ans et 5 ans, il y a déjà, en fait, un grand gap. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait 3 ans que je suis pas, que j'ai fait 5 ans que je suis mieux que celui qui a fait 3 ans. Non, ils sont plutôt pragmatiques et ils sont dans la spécialisation. Donc, je pense qu'il faudrait, ça serait une bonne chose que l'on puisse dupliquer le modèle anglo-saxon. Pourquoi pas? Parce que c'est un modèle qui réussit, mais pas tout dupliquer. Bien sûr, prendre du bon. Et en termes d'éducation, réduire un peu les années où il faut être licencié. It's too much. 5 ans, no. Oui, là-bas, tu es master, tu fais ton BA en 4 ans, 5 ans, mais licencié, 5 ans, c'est trop long. C'est trop long. Vous êtes congolaise, habitant la diaspora, vous êtes venue au Congo, vous êtes venue répondre à l'appel du chef de l'État qui a invité la diaspora à venir au Congo pour venir investir. Alors, vous qui avez répondu à l'appel du chef de l'État, un message, un mot au président qui vous écoute peut-être en ce moment. Bon, un message au président, c'est que le message qu'il a lancé, c'est vrai, c'est bien beau. Je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de diasporas qui sont là, qui reviennent. Mais quand on se parle entre nous, c'est qu'il n'y a pas un cadre propice, et il n'y a pas de cadre propice à cette rapatriation. Et on n'est pas encadré, en fait. Et l'encadrement dont on parle, la diaspora doit être exploitée comme dans tous les autres pays. En Inde, Silicon Valley est faite de la diaspora indienne. En Chine, à un moment, ils ont demandé à leur diaspora de revenir. La Côte d'Ivoire, il y a carrément un ministère qui s'occupe de la diaspora. La diaspora est un produit en termes de compétences et en termes aussi de capital. Donc je pense que venir, c'est bien beau, mais que des cabinets comme le nôtre, on a besoin de leur soutien, de leur apport et de leur accompagnement. C'est le message que je peux lancer au président. Merci beaucoup, Madame Loris Félicia Kasongo, CEO de l'élite agency SARL, d'avoir répondu à notre invitation et puis bon courage. Merci beaucoup. Le forum du mois de novembre, peut-être pour tous ces jeunes qui sont au chômage. Est-ce que vous voyez l'espoir pour ces jeunes de sortir de chômage? Beaucoup même font 10, 15, 20 ans, ils n'attrapent pas un boulot convenable, décent. Est-ce que vous pensez que le Congo, les jeunes Congolais peuvent rêver mieux chez eux? En fait, comme j'ai dit, vraiment chaque partie doit assumer sa responsabilité.
En termes des jeunes, j'ai eu à observer les jeunes, je travaille avec des jeunes, je vois les jeunes et je les conseille beaucoup. Les jeunes doivent arrêter d'être oisifs. Beaucoup sont oisifs. Beaucoup sont oisifs. Et même beaucoup, quand on leur donne même une opportunité de travail, j'en ai un qui était avec moi et on lui donne une opportunité de faire ses preuves, mais ils prennent ça à la légère. Les jeunes doivent vraiment être en mesure de se développer déjà à leur niveau eux-mêmes, afin d'être comme ça, afin d'acquérir certaines compétences. Parce qu'il y a des compétences que tu peux acquérir tout simplement dans ton petit environnement. Il y a des compétences, ne fût-ce que des compétences du genre être ponctuel. Être ponctuel, c'est une gestion de temps. Et dans les entreprises, on a besoin des agents qui savent gérer leur temps, manager leur temps et être ponctuels, être à l'heure, être proactif, savoir anticiper, savoir sortir de leur carcan, think outside the box. Je pense que les jeunes, il y a un avenir, mais il y a un grand travail que les jeunes doivent faire eux-mêmes, à leur niveau. Parce que, comme j'ai dit, je les observe, ils font qu'attendre que ça vienne, que ça tombe du ciel et que le gouvernement vienne vers eux. Ils doivent se faire violence. Ils doivent aller là où il y a des jobs. Ils doivent se faire violence et arrêter d'être oisifs. Mais il y a un espoir. Mais il faut aussi qu'ils puissent être beaucoup plus agressifs qu'ils ne le sont. Par exemple, tu remarqueras que la plupart des jeunes ici ont un compte TikTok. Mais est-ce qu'ils ont le compte LinkedIn? LinkedIn, c'est un compte où tu es un compte qui est professionnel, où tu peux avoir accès aux offres d'emploi de différentes entreprises. Mais quand je parle avec ces jeunes, je leur demande, tu as un TikTok, un compte TikTok? Oui. Tu as un compte LinkedIn? Non. Comment ça se fait? Déjà, ça en soi, c'est un handicap, parce que là, tu ne peux pas te vendre comme tu le devrais. Et aussi, aujourd'hui, YouTube nous donne pas mal d'informations. Quand je vois même les petites entrepreneuses qui viennent me faire les ongles à la maison, je leur demande, est-ce que tu regardes, tu suis des cours comment t'améliorer sur YouTube? Ils te diront non. Ils sont entrepreneurs. Quand tu viens faire les ongles à la maison, tu es entrepreneur. Mais est-ce que tu as un compte YouTube pour savoir comment tu peux t'améliorer, améliorer ce que tu fais? Et en plus, c'est même pas payant, c'est gratuit. Donc, en termes des jeunes, je pense que les jeunes ont vraiment une grande part de responsabilité eux-mêmes pour se trouver un emploi. Tout à fait. Comment s'enregistrer pour ce forum de novembre à Colusie? En fait, nous avons un site qui est www.skillsforafrica.co. Africa avec K, for c'est avec le chiffre 4. Et on peut aussi nous joindre sur notre numéro 081 80 86 236, 081 80 86 236. Oui, pour le numéro, vous pourriez le reprendre un peu plus lentement pour qu'on puisse noter. C'est le 081 80 86 236. Encore 081 80 86 236. Et on peut aussi nous envoyer un mail sur team@skillsforafrica.co. Mais néanmoins, pour nous contacter, s'enregistrer pour le forum, il faut visiter notre site www.skillsforafrica.co. Merci beaucoup, Madame Loris Félicia Kassongo, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup également à Monsieur Bijon Soumbou qui nous a permis de réaliser cette émission partout où il est. Salutations. Merci beaucoup à Chrislin Bouka, Georges Dikalonda derrière la caméra, à vous toutes et à vous tous qui nous suivez, portez-vous bien. On espère que ce message tombe dans des bonnes oreilles et que les choses pourront aller de façon positive. Au revoir et à très bientôt.